Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec Alberic. Et on va directement lancer un petit assaut sur Sartosa. Nos troupes sont plutôt quand même bien dans le mal, hein, quasiment mi-life. Mais on a Sir Arthnaud qui est ici. Et rien que ça, plus nos bâtiments, on passe à une victoire de justesse. En face, ils ont pris un peu d'attrition même si c'est pas aussi flagrant. Et on va du coup se lancer immédiatement. Ça va être un épisode de bataille. Je pense que vous vous en doutiez suite au précédent. On a 7 assauts là à faire, on a un assaut sur les Skaven à faire ensuite. On ne peut pas attendre malheureusement que les tours passent et que notre attrition descende. J'aurais bien voulu qu'on attende pour pouvoir faire une bataille de ville avec Pispousse, mais malheureusement si on fait ça, on risque d'avoir l'armée de Rakars qui se pointe derrière. Et ça c'est no way. Donc il faut qu'on se débarrasse des Skaven rapidement. On va donc, je pense, lancer un assaut sur les Skaven. Mais d'abord, Sartosa. Si on arrive à faire cette bataille et à prendre la ville, on va gagner en plus la tresse de bord de l'eau qui nous manquait. Ce qui peut être plutôt cool. Et on va voir un petit peu à quoi ressemble cette cité. Alors, 20, ouais, c'est pas mal. On a une lanceuse de sorts qui a 2 sorts, ça sera toujours ça de prix. Alors, à quoi ça ressemble? Ici, on a 2 tours, une sympathique petite écluse, ma foi, fort sympathique. Ouais, j'avoue, ah, c'est joli. Hein. Là, on a beaucoup de tours sur ce flanc, donc ça me semble une idée de merde. Ici, pareil, 2 tours. Les navires pirates. Ils ont l'air un petit peu enfoncés sur l'eau, non, ouais, ça va en fait, c'est plutôt sympa. Les décors sont plutôt cool. Hein. La cité en elle-même est assez classe. Oh, cette petite tour suspendue là, du plaisir. Oh, c'est marrant parce qu'ils ont réussi à faire une architecture vampire, mais pas tout à fait. Avec des petites variations... Ouais, franchement, elle est cool. Elle est cool, la cité de Sartosa. Alors, cela étant, on est là pour la raser. Donc, bon, c'est son bulet. Il nous faudra des gens avec des boucliers pour prendre notre petit bélier. Je pense qu'on va faire un assaut coordonné de ce côté-là et de l'autre. Donc, vous avez des boucliers à 35% et vous... Les mêmes, vous avez des boucliers un peu meilleurs visiblement. Ah, 55%, ouais. Du coup, on va lâcher le bélier. Alors, le bélier il est là. J'ai un peu de mal à cliquer, excusez-moi, c'est début d'épisode. Et vous allez prendre le bélier. Le bélier, on va le mettre ici. Avec. Une tour de siège de type pèlerin. Et ici, est-ce qu'on va pouvoir avancer une tour de siège? C'est pas sûr, on va la mettre là pour l'instant. On verra si on... où est-ce qu'on la met ensuite. Donc, vous allez combattre avec Alberic. C'est parti. Soyez fiers. Plus le bélier. On va vous mettre, je pense, Dame de la Queen également. Quelques archers. De la queen qui vient là. Des archers. Et puis bah vu que le bélier est là, vous allez avoir toute la cavalerie en fait. Hein. Peut-être on va peut-être en mettre une de l'autre côté quand même. Une de l'autre côté pour le cas où la porte sera prise, ça permettra de déblayer un peu. Voilà, donc cavalerie, 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 vous tous, ici. On essaiera de se répandre un petit peu dans la ville. Ensuite, Gaelden, tu prendras ce flanc. Avec une tour de siège dans le bon sens, tant qu'à faire, ça serait pas plus mal. Voilà. Une autre. Peut-être essayer de faire l'assaut là. Hop, on va te mettre également des archers, bien sûr. T'as ta cavalerie. T'as des hommes d'armes pour pouvoir prendre un petit peu plus le flanc. Et on va te mettre deux.
On va te mettre l'unité la plus solide. L'autre, on va la mettre. Qui vous êtes-vous? Shields, high. Infantry. Ouais, j'ai fait de la merde visiblement. Excusez-moi. Hop, et donc vous, vous venez ici dans la forêt, ce sera très bien. On n'a pas d'autres unités qui traînent, donc c'est parti. Alors, en avant. Alors du coup, est-ce qu'on peut mettre une tour ici? On peut mettre une tour ici. On va donc le faire. Donc ils vont un peu se marcher dessus avec le bélier malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Les archers, qu'est-ce qu'on a sur les murs? On a des artilleurs avec arquebuses avec escopettes. Vous allez vous occuper des escopettes en priorité. Toi, t'as une petite foudre. Faire un plaisir de la lancer sur ces gens. Là, on va rester à l'arrière 2 secondes. Alberi qui va avancer un petit peu pour soutenir le moral. Les archers ont leur ordre, les tours ont leur ordre. Ok, de l'autre côté, à quoi ça ressemble? Là on a du garde des profondeurs, on a de l'escopette, on a 2 escopettes ici. Donc c'est parti, on y va. Ici, on leur envoie ça directement, on va essayer d'aller pas en face des gardes des tombes. Oh si, allez, on y va, on a foutre. Gaelden, il y a une potion de célérité, il va avancer un petit peu pour soutenir, pareil, mais on va faire attention aux escopettes parce que ça peut piquer sur les unités volantes. Tu vas te mettre juste hors de portée tant qu'à faire. Il nous balance des crânes dessus visiblement. Donc là on a rien pour s'occuper des tours. Hein. Aïe. Ok, il recule. Très bien. On neutralise les tirs, ça m'arrange. De l'autre côté, j'ai même pas regardé, t'avais quoi toi déjà? Le courroux de Manan. Tu peux lancer un truc comme ça? Non, tu peux pas le lancer sur un mur, dommage. Ça c'est quoi? Inébranlable. Toutes les alliés à portée. Il va falloir qu'on augmente un peu ta zone de commandement par contre. C'est quand même un peu de la merde. Et le coup de grâce héroïque. Tu sais quoi? Tu vas charger ça. Et toi tu vas avancer. Les broubrous, ils vont avancer un peu aussi. Honor before glory. Honor before glory, exactement. Ok, ça grouille là. Ils ont décidé d'abandonner les murs, à la rigueur ça m'arrangerait, hein, ça fait moins de tours qui tirent. Le petit griffon des familles sur les morts vivants, ça fait toujours plaisir. Alors, il est en train d'envoyer ses boucaniers prendre les murs. Là, ils sont en train de se préparer à tirer. Est-ce qu'on pourrait pas lancer un petit sort sur leur tronche? C'est long à invoquer. Bon, l'avantage par contre, c'est que du coup, les autres ont le temps de courir au milieu. Très bien. Alors ici, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a sur les murs? Des gardes des profondeurs qui sont là, du coup tout le monde s'est replié. Les escopettes se sont repliées, toi tu pourras aller shotter ça mais il y a un petit peu trop de monde quand même. Les tours de siège sont sur les murs, on va pouvoir avancer eux. Et toi, est-ce que tu vas taper là-dessus? Ouais allez fonce. My blade is yours. Nos archers ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont des bonnes portées quand même les archers. Tiens, commencez donc à tirer là-dessus. Je pense que ça va être... Oulala, c'est Gaelden qui se sent plus là. Et bim! Ah non, bah il s'est raté. Ah non, cet échec quoi. Excellent. Alors, ça c'est leur chef, donc ça peut être pas mal. On va essayer de voir, j'espère qu'il est pas coincé. Ah bah visiblement il est coincé. Ah non, il est capable quand même de... d'essayer de monter pour attaquer ça, peut-être. Il y a quelques bugs avec les unités volantes, c'est dommage, mais bon bah c'est la vie. Alors du coup, reprenons, ici ça se passe comment?
On est au contact avec des boucaniers pirates. Ça va, on devrait s'en tirer. Ça, c'est leur chef. Allez-y aussi. Là, le bélier est bientôt en place. Machine. Là, on les a dépouillés. Avance un peu, là. Défense en mêlée et tout. C'est parti, tu vas lancer ça ici. Là, on a perdu Gaelden sur ce flanc, ce qui est quand même dommage. Là. Les pèlerins de bataille sont quand même un peu tout seuls là. Faut foncer du coup. Ah, c'est un peu con ça. Bordel, hein, c'est sur des conneries comme ça qu'on perd une bataille. Hein. J'ai quoi, la potion de célérité là? Ça m'aide pas. Si je lui allais taper sur la porte, ça aide ou pas? Pas vraiment. Ok, bon alors du coup, reprenons. Les archers en position. Les abordeurs, visiblement, ils ont crevé, c'est parfait. Sur ce flanc là, on gagne. On va choper Vincent Saumur là. Ça devrait le calmer un peu. Toi, tu te fais un peu dépouiller la tronche, peut-être par les tours. Les archers, ils ont pas grand chose à faire. Ah, les portes sont ouvertes. Go. Toi, tu rentres. Et la cavalerie, elle rentre. On va charger ça d'ailleurs. Ça, c'est du pirate à la con. Hein. On est quand même censé perdre. Ouais, c'est vrai qu'elles sont pas. Elles sont pas pleines ces troupes. Occupe-toi de ça. La cavalerie va s'occuper du champion là. Pas de problème. Les broubrous en avant. Là, il y a des mecs en train de crever. C'est parti. On a perdu un point de victoire. Ouf, on s'en fout. On s'en fout complètement. Alors du coup ici, c'est là qu'il y a les gardes des profondeurs. Et malheureusement, c'est aussi là que on a Gaelden qui fait du caca. On va envoyer eux taper sur la porte, faute de mieux. Okay. Là, ça le fait pas, on n'a pas d'angle de tir, on va essayer de tirer sur ça plutôt. On aura peut-être un angle de tir là. Si c'est juste quelques flèches qui passent. Il est où le champion? Ah bah je crois que je vais demander d'attaquer là, mais il s'est fait le champion. Très très bien. Il l'a dépouillé. C'est nickel. Rien à dire. Du coup, bah go. Chargez-moi des trucs là. Les hommes d'armes en avant. Tiens, on va prélever un mec pour aller finir ça. Ici, c'est la débandade. Les broubrous là-dessus. Ici c'est compliqué à cause de ces gens là. On va essayer de rentrer nos archers et d'aller mettre quelques petites fessées si on peut. Clairement Gaelden il nous manque là. Hein. Alors est-ce qu'on peut dire à cette unité de charger jusqu'au bout? Là on... On fait mal à la porte, mais c'est pas suffisant. Allez, feu. Essayez de tirer. Tant pis, du coup, ils continuent de tirer ceux-là. On a capturé un point de victoire. C'est les tours là? Non. C'est pas les tours, c'est enfin, c'est ces tours-là, mais on s'en fout un peu du coup. Foncez dans le tas. Voilà, hop, hop, dégâts des armes. C'est parti. Ici. On est en train de se faufiler. On va également envoyer une deuxième unité si on peut. Il y a ça qui se traîne, des artilleurs pirates bombardiers. Ok, pourquoi pas.
Bon, lui, il va s'en occuper, il n'y a pas de problème. Allez plutôt vous occuper de ça avec les broubrous. J'avais envoyé une unité s'occuper des tireurs, mais j'ai l'impression qu'ils sont morts déjà. Du coup, en avant. Ready for battle! Lord of Bretonia, we serve our liege! C'est parti, vous rentrez, machine. T'as un petit peu souffert, mais c'est comme ça. Putain, ici on se fait défoncer. Rentrez là. Bon là les archers ont fait le taf quand même. Hein. Ça fait le soutien qu'il faut. On va rentrer la deuxième unité d'archers. Bon, ça y est, les liens s'écroulent. Il reste eux qui sont en train de s'enfuir, je ne sais pas où. Alors là, on perd, parce qu'on est englué par ces cons. Sortez de là. Knights errant. Allez, défoncez-les. Faut essayer de passer puis d'aller shooter ça. Ok, ici on a gagné sur ce flanc, c'est parfait. En avant. On avance, on prend la porte. Alberic, t'es en train de te faire défoncer par quoi? Une tour, t'es sérieux? Il faut tirer d'ici. En vrai, ce serait une bonne idée. Les archers, défoncez-moi ça. Faut faire gaffe parce que la petite tour là qui pique un peu les fesses, mine de rien, si on n'y fait pas gaffe, elle fait quand même mal aux fesses quoi. Alors vous. Parce que vous foutez là, mais ok, c'est gagné. Victoire à la Pyrrhus. J'ai complètement oublié les renforts, du coup, je crois. Les renforts ont dû arriver et je les ai complètement oubliés. On a fait 100. C'est moche. Eux, je les ai pas vus. Ceux-là, je crois que c'est ceux-là qu'on a débouillé, mais ceux-là, je les ai pas vus, les bombardiers. Mais ouais, j'ai été déconcentré par le bug de Gaelden là. J'ai complètement oublié qu'on avait 5 unités de renfort qui ont dû se pointer quelque part. Mais bon, ça a quand même fait le taf. Alberic, il a fait le taf aussi, même si la tour à la fin, là, ça a quand même piqué un peu. On va occuper. On a dit qu'on ne rasait pas dans cette partie. Et on a débloqué les compagnons de Quenel. Et on gagne la 13 de bord de l'eau. Attaque en mêlée plus 10, capacité d'optimisation, bonus contre les unités larges. Ouais, c'est pas ouf comme truc, hein, par rapport à certains objets. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Alors, tac tac tac, qu'est-ce qu'on a là? Croissance, usure. Défense en embuscade, ouais, beauf. On n'a pas un petit truc pour augmenter la portée de notre zone de... Non, j'ai pas l'impression. Tant pis, on va prendre ça du coup. Ici. Commence à être bien monté aussi notre ami là. On va prendre ça, répondre l'autorité, parce que c'est vrai que quand on prend des cités, c'est quand même cool d'avoir un petit bonus d'autorité plus. Et en termes d'équipement, est-ce qu'on a des trucs qui sont pas équipés? On a la 13 de bord... Il a pas équipé la 13 de bord de l'eau, c'est une blague? My reputation. Bah, du coup tu la prends. Merci. Et ça, des bonus pour la cavalerie. Et ça c'est des bonus de... La pierre de pouvoir, ouais... Pisse-pousse, tu peux prendre ça peut-être.
Et un petit bonus de cavalerie. Et t'as peut-être des auxiliaires disponibles? Non, ça il faut. Il faut un paladin ou une demoiselle pour équiper ça. L'attaquant galant. Prends donc le sorcier et l'étudiant. Au niveau des objets, on est plein. Ok. Bon. Du coup, on a perdu une unité quand même. Ah oui, on a perdu une unité de pèlerin de bataille. C'est à la fois plus et moins que ce que je pensais perdre. Je pensais perdre une de ces unités là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, hop, on récupère. Toi. Voilà. Puis après, si je te mets en marche forcée, tu peux te barrer d'ici. Donc t'es coincé. La cavalerie, non. Par contre, on peut prendre un reliquaire du Graal, ça me va bien. On reprend deux pèlerins. Et puis éventuellement une catapulte, on n'a pas ça. Non, on n'a pas ça. Bon, on va peut-être pas prendre deux catapultes avec lui alors. On va prendre un albardier de plus. C'est ça que j'aimerais bien, un albardier de plus. Bon, deux tours. Va falloir qu'on reste ici deux tours de toute façon. Donc on va laisser ces bâtiments là vu que je m'en sers pour recruter. Ça, est-ce que je le garde ne serait-ce que pour le bonus de paysan? Est-ce qu'on peut faire des bâtiments spéciaux ici? Complètement. Du coup on va peut-être pas se lancer dans des trucs à la con. On va virer ça. Ça, est-ce qu'on le garde? Il faudrait qu'on fasse un moulin après. En plus il y a des vergers ici, donc on va virer ça. On va garder ça parce qu'un bonus d'autorité dans une ville seule, c'est quand même pas mal. Et là on peut faire un petit boost de croissance et d'autorité, pourquoi pas. On est plus 15 avec 16 de... Ouais, et un petit peu de revenus, je pense qu'on va prendre ça. On va prendre ça ici. Il va être temps de monter ça et ça. Voilà. Et donc on a Manon qui n'a rien fait. C'est pas grave. Elle fait sa vie et sa reconstitution. Pisse-pousse du coup. Ça va être l'assaut. Donc ce sera une défaite de justesse. D'après le truc. Mais eux ils arrivent en 1 minute 30. C'est rapide quand même. On va voir si avec notre cavalerie, nos trébuchets, on a 3 unités de cavalerie, c'est pas ouf. On peut essayer de peut-être éliminer assez rapidement la première armée. Ou en tout cas l'endommager. Sachant qu'ils ont un petit peu d'esclaves, quand même quelques guerriers des clans. Le lance-feu si on pouvait le neutraliser. En gros, faut qu'on essaye de faire mal à ses seigneurs, ses lanceurs de sorts et à son lance-feu si on peut. Pour ça on a quand même du monde hein. 2000 mecs à côté. On a de l'unité quand même qui est pas non plus totalement à poil. Le problème c'est nos niveaux hein. On est très, très inexpérimenté avec cette armée. Pisse-pousse est inexpérimenté. Les renforts arrivent dans le dos. Et la map est assez merdique. Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est, la map est assez merdique. Bon bah tant pis, on va faire avec. Alors déjà, regroupons les unités. Hop. Hop, la cavalerie. Là. Et là. On a des trébuchets, on va les mettre à la fin. J'aime bien qu'ils soient à la fin parce que j'ai l'habitude. Toi tu viens là. Toi tu viens ici, on a du paysan, on a du lancier, on a quand même une très belle ligne de front. On pourrait la jouer défensif, mais bon, au niveau sort on a quoi? L'incarnation de Wissan et la nuit infernale, c'est pas mal. Ça peut aider. On voit déjà quelques scaven qui seraient à portée. Donc l'objectif ça pourrait être... L'objectif ça pourrait être des troupes dans les forêts. Les trébucher ici pour qu'ils aient vraiment une belle vue. On va faire une ligne de front
bien frontal. Les paysans, on va les laisser un petit peu sur les côtés pour l'instant. L'objectif, ça va être de choper les... si possible... les lance-feux, malflammes et autres conneries du style avec eux. Les paysans, on va les mettre... enfin les archers, on va les mettre devant pour allumer tout ce qui vient. Pisse-pousse, tu viens là. On va garder ceux-là en réserve sur ce flanc-là, peut-être dans la forêt. Dans la forêt avec quelques lanciers. D'autres lanciers, ça c'est du pèlerin, d'accord, ça c'est du pèlerin. Donc les pèlerins, on va les mettre au centre pour renforcer le centre. Donc là on aurait nos troupes de choc hein, soutenues par du petit lancier en cas de besoin. Si jamais il nous envoie des raogres et tout, mais je crois pas qu'il en avait. On va essayer de les allumer un max avec nos trébuchets et la cavalerie. Est-ce qu'on l'envoie direct essayer de choper des trucs? Il y a du Skaven esclave ici, on va tirer au trébuchet dans des esclaves, ça m'emmerde. On va foutre la cavalerie dans la forêt et on va la faire avancer. Et on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Hercule. Donc lui il a sa roue là. Hein. C'est pas idéal de tirer là-dessus avec des trébuchets, surtout qu'ils sont dans la forêt, mais bon, on va faire avec ce qu'on a sous la main. Hein. D'autant plus que techniquement on est censé attaquer. Alors cela dit, vu qu'il recule, on va essayer de prendre la hauteur. Donc on va avancer notre ligne de front jusque là, pour avoir au moins un petit peu de... les paysans, on va les passer ici, tous d'ailleurs, parce que clairement l'assaut va venir de là, donc on va les foutre là pour qu'ils encaissent ce qu'il y aura éventuellement encaissé. Toi tu viens là, les lanciers sur ce flanc, je crois pas avoir vu masse de cavalerie, mais dans le doute, on va laisser les lanciers là, au pire ils serviront à charger. Les trébuchets, on va les laisser là, on va peut-être leur laisser une unité quand même en défense. Les pèlerins de bataille, ils avancent. Pisse-pousse, tu vas te mettre ici, je pense que tu seras mieux placé là. Alors vous, vous allez avancer jusqu'ici avec la cavalerie. Et vous, pareil. Est-ce que je continue d'avancer avec eux à la recherche d'autres trucs qui doivent traîner dans cette forêt? Ça doit grouiller dans cette forêt là. On va utiliser nos projectiles de trébuchet pour pas grand chose. Est-ce qu'on peut attaquer? Oula, qu'est-ce que... alors, il me l'a généré où lui? Ici. Et ben, parfait, on va les défoncer au passage. Et c'est vrai que rien que pour ça, je ferais bien de laisser une unité d'arme d'ast là, parce que... il va nous générer des guerriers des clans partout. Ok, on commence à avoir du monde ici. Cela dit, j'ai cru voir que on était perdant face aux guerriers des clans, donc c'est peut-être une unité de pèlerins qu'on va laisser là. Et eux, on va les envoyer comme prévu ici. Les pèlerins, ils devraient faire le taf. Bon, les renforts vont pas tarder à arriver. Prend notre position. Après les trébuchets c'est pas non plus ouf de toute façon hein, pas de projectiles explosifs, c'est relativement imprécis. Faut pas non plus s'attendre à un truc de fifou. Alors, il y a les esclaves qui commencent à popper ici. C'est l'heure du premier sort. Ils sont en train de se répandre.
Donc on va modifier notre ligne de front là. Les archers qui sont derrière, là on va pouvoir commencer à tirer avec eux, donc on va les laisser. Par contre vous tous, pareil, on court. Vous et vous, vous courez jusque là. Ici on va se préparer à encaisser probablement l'assaut. Peut-être envoyer les petits paysans, Skaven esclave à lance, Skaven esclave sans lance, on gagnerait. Engluer les paysans, pour l'instant c'est pas hyper intéressant. Le reliquaire, il faut qu'il avance. Les pèlerins de bataille vont rester là pour tenir ça. Et on va garder notre petite troupe ici en bataille, là en attente. Ok, pas mal esquivé. Ah, il a régénéré une unité ou ça. Là, ok, donc vous vous en occupez. On commence à tirer. Alors là, on peut le faire. Ils sont trop loin encore. Mais on va garder ces sorts là pour les guerriers des clans. Ok, ça y est, on peut. Hop. Alors les paysans, ils sont lancés. Ici du coup, on est parti, on encaisse le truc. Foule de paysans qui va faire ce qu'elle a à faire. Ici la foule de paysans, elle va faire le tour. Le reliquaire, il va plutôt venir ici parce que c'est là que va y avoir le gros du fight visiblement. Là il y a un sort qui est lancé, je sais pas ce que c'est. Tu veux me lancer mon sort s'il te plaît? La compagnie de Nardinus, il va falloir se commit là. Ah, il y a les lance-feux sont sortis. On va sortir une cavalerie pour s'en occuper rapidement. Parce qu'ils vont faire très mal. Ils ont déjà commencé à faire très mal. Ça pique. On n'a pas encore de deuxième sort de lancer. Ah putain, ça fait tellement mal ces sorts. Alors c'est clair que là, la cavalerie, ce serait bien que... Là, il s'occupait de ça. Alors même s'il est censé perdre, rien que l'occuper, ça fera le taf quoi. Les renforts, ils sont en train d'arriver. On va donc garder ces unités-là en réserve pour l'instant. Tant que c'est pas vraiment un problème. On va envoyer les pécores... Men of Bretonia ! Tenir pour l'instant la ligne. Là il va falloir je pense de l'unité un peu plus costaud là. Parce qu'il y a quand même du monde, même si c'est de l'esclave. Alors une autre cavalerie, elle en est où? Il est parti où le lance le malflamme là? Il est là? Et l'unité qui était censée s'en occuper, elle est où? Merde, je l'ai fait changer, c'est ça? De position. Demi-tour. Voilà, vous me gérez à peu près ça. Ouais, je me suis planté en fait, très bien. Pas de soucis, en avant. Toi tu changes de direction, toi tu vas t'occuper de ça, c'est très bien. Alors, on a des archers qui fuient ici. La compagnie de Nardinus, on va les renforcer un petit peu. Là c'est la déroute, notre ligne a bien tenu. Enfin, c'est normal que ce soit la déroute, hein, c'est du Skaven. On va commencer à demander à certains de nos tireurs de tirer sur ces foutus lanceurs de sorts. We serve the king. Du coup, hors dégoût là. Faut y aller. La cavalerie, elle est lancée. Alors sur les trois seigneurs, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon. Ici, on va continuer de spawner ce petit sortilège là. Eux, on va leur demander de venir là, avec eux derrière, bien cachés. Leur seigneur, c'est clairement ce qui fait le plus mal. C'est lui qu'on va galérer à gérer, je pense. Le reliquaire, après, il est là, il fait son taf.
Ça commence doucement à céder. Là, on arrive à occuper un petit peu les gens, mais il y a du guerrier des clans qui arrive. Donc, il va falloir qu'on se détache. On va donc se détacher par une charge ici. Et vous, les lance-fleux sont en déroute, c'est parfait. Vous allez vous détacher par ici. Il y a déjà leur haute-seigneur, non, c'est le premier, c'est toujours Garrot avide d'expérience là. Non, non, on est en train de le balader, l'assassin. Qu'est-ce qu'ils font? Oh putain, ils ont interrompu leur charge, c'est débile. Alors, vous, stop, replacez-vous. Voilà. Ici, il y aurait peut-être moyen d'envoyer une charge là-dessus. Et si on pouvait commencer peut-être du coup à faire mal à celui-là, à la place. Là, il y a deux unités de paysans qui se tapent sur des esclaves, ça passe, hein, pas de problème. Il y a tout ça qui arrive. On va envoyer ici des gens s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ici, on est en train de les déterminer. Là, tirez-moi sur ça, vous vous replacez. Ah putain, il y a un flamme ici, et puis il va y avoir un sort là. Aïe 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 aïe, ça pique. Ça pique, ça pique. Les trébuchets, je sais pas sur quoi ils tirent, je les laisse faire pour l'instant. Les archers, ils sont reformés. Revenez vite fait ici. Là, on va continuer d'allumer. Là, on peut se permettre de nouveau un petit sort sur ceux-là. Alors là, il va falloir qu'on change de direction et qu'on shoote ces lance-flammes. Ici, c'est la déroute, parfait. On va pouvoir, et c'est des archers derrière, on va pouvoir reformer la ligne. Putain, il est level 23, Scrolk. Scaven esclavalance à la con, faut qu'on se faufile par là. Ici, on a du paysan qui tient toujours. Hein. On va rapprocher un petit peu ça là. Là, il y a la grosse. Ah putain, ici, merde. On a un petit peu. On a un petit peu sorti du bois pour rien. Enfin, sorti du bois entre guillemets, mais on a continué de charger pour rien. On va sortir nos lanciers uniquement. Vermine de choc, là, c'est peut-être un peu costaud pour des lanciers. Lui, c'est censé être un sorcier aussi. Je pense qu'on va lui mettre deux archers sur la tronche. Là, ça fait le taf. Ah là, on est englué là. Non, ça va, on n'est pas si englué que ça, ça va. La cavalerie, on arrive plus ou moins à la sortir. Ici, on va mettre deux personnes dessus. Et il va être temps de commencer à avancer là. Parce qu'au final, derrière on a quoi? Du Skaven esclave, de la mitrailleuse Rattling qui arrive et tout. Ça va être tendu, on va pas se mentir. Ici ils nous ont plus ou moins pris de dos, donc on va les choper. On va garder un petit peu de d'unité en soutien. C'est parti pour un petit boost. Orders, my lord! Spare men at arms! Pull men! For the king! Come on, lad! Alors, Scrolk, il fait le malin, ici. On est capable de charger là-dedans. Ici, la cavalerie, je suis pas sûr qu'elle gagne, mais elle est quand même capable de faire pas mal de diversion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la soutenir avec de l'infanterie. Ici il y a une foule de paysans qui est en déroute, bon, rien de particulièrement choquant jusqu'ici. Là on va continuer de progresser dans la forêt, peut-être éventuellement pour se pointer un peu sur ce tas-là.
Les mitrailleuses Gatling, elles sont où? Là, on a un lance-feu, une mitrailleuse, ici une mitrailleuse, ici un prêtre de la peste encore. Bon, au bout d'un moment, il va cramer sa magie aussi, hein. Allez-vous. Alors ici, il y a l'assassin qui fait le taf. Ça commence à devenir compliqué visiblement. On va tirer là-dessus. On va rajouter plus de monde à tirer là-dessus. Un petit tir là, je voulais. Ouais bon, j'étais en train de les choper ceux-là. Bah non, il nous faut d'autres archers qui dépouillent ce mec là. Ici, on sort de la forêt, on se répand un peu. Où est notre autre cavalerie? Elle charge là. Ils sont en déroute. Ils sont... Ah non, ils sont terrifiés, putain. Je me disais, ils sont pas. Ils ont pas le symbole qui clignote, mais. Ils sont dans le mal à cause de, du fait qu'ils sont terrifiés. Ici on est englué par eux, là on arrive à nettoyer un peu, ici il y a un mec. Toi ce serait bien que tu fonces là pour pouvoir lancer un petit sort dans le tas là. Ça ferait bien plaisir. Ici il faut aller par là, alors là c'est plus ou moins en train de craquer, non ça tient toujours. Toi. Vas-y, balance ça là. Là, les paysans vont bientôt être libres. Bon, ça va pas nous changer la vie, mais c'est toujours ça de prix. Et ici, qu'est-ce qui arrive? Du lance-feu, de la mitrailleuse rattling, du lance-feu. Alors là, on n'est plus caché, je pense. Ouais, non, on n'est plus caché. Donc c'est le moment d'y aller. Les écuyers à pied, là, en avant. Ça, c'est de la petite merde. Là, on est sur du frondeur, très bien. Des petits coureurs d'égout, on est en train de prendre des tirs ici. Mais on a fait le taf, les lance-feux sont en déroute. Est-ce qu'on a un endroit intéressant où on pourrait changer de direction? Pas vraiment, après ça va être dans la forêt. C'est quoi le truc rouge là? C'est les prêtres. Ouais, on peut y aller, on y va. On va essayer de faire tomber un peu tout ça. Là, on va finir les coureurs d'égout rapidement. Alors, on a des gens qui se rassemblent, c'est qui? Une foule de paysans. Ok, en avant. Allez donc essayer d'occuper un petit peu la foule. On va mettre un boost à ceux qui sont au contact avec le seigneur, même si clairement ils se prennent des tirs un peu gratos. Alors, ici il y a un truc qui est en déroute, du Skaven Esclave à Lance, ça me paraît pas déconnant. On va essayer d'aller s'occuper de ces coureurs d'égout. Ici on a quand même un gros pack de gens. Ici le mec s'est libéré, ce qui me plaît pas trop. On va charger là où ça s'est reformé. Ici, tain, c'est ouf à quel point on galère quoi. Alors là, on va peut-être devoir... on va vous faire courir jusqu'ici et après charger là. Les deux écuyers à pied, enfin... Les lions blancs et l'écuyer à pied, ils vont essayer de s'occuper un peu de ça, faire un peu pression. Parce que pendant qu'ils courent, ils tirent pas. On a découvert des ennemis cachés ou ça. Des guerriers des clans avec boucliers. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est des bretteurs, donc ils sont à l'épée. C'est gênant, mais c'est pas non plus oufissime. Ici, ça commence à céder doucement. Là, les paysans sont en train de gagner tant bien que mal. 28, on s'est pris un malus là. Ok, ben c'est comme ça.
Commencez à tirer par là-dessus, vous. Pareil pour vous. Ça, c'est du guerrier des clans. Il va peut-être être temps de ramener nos pèlerins de bataille au fight. Ici, on est en galère à le toucher, à lui faire mal. Toujours ces seigneurs là qui sont relous. Là, l'assassin, il essaie de poursuivre notre cavalerie, visiblement. Pourquoi pas? Ça, c'est quoi? Du lance-feu masse-flamme. Essaye donc de le choper. Elle est où notre autre unité? Ici. Voilà, on fait la charge de côté. Et l'autre. On a eux. Les lions blancs, ils sont où? Ils sont là. Ah, ils sont déjà. Ok, ils sont déjà au contact. C'est parfait. Sur les mitrailleuses ratling, c'est parfait. Là, la cavalerie, on est engagé avec des guerriers des clans, il va falloir qu'on s'en sorte. On va donc reculer avec ces deux unités là, plutôt dans cet angle là. Il y a l'infanterie qui arrive là, qui va pouvoir aider un peu. La relique du Graal, c'est peut-être pas idéal. Alors, on a des gens qui se rassemblent ici, c'est encore du paysan. Et ici, c'est notre cavalerie malheureusement qui est en fuite. C'est dommage, mais c'est comme ça. Elle a fait le taf. J'aurais préféré qu'elle tienne un petit peu plus longtemps pour qu'on ait de quoi faire une pression de ce côté-là face aux unités qui arrivent de la forêt, mais bon. On peut pas tout avoir. Ici, on va leur faire une charge de dos, ça devrait aider. On va envoyer les paysans faire un peu style. Il y a tellement de monde dans ce truc, quoi. Si on avait du sort un petit peu plus efficace, ça ferait tellement mal. Alors vous, vous tirez sur quoi? Non, tirez là-dessus. Vas-y, remettez-vous à tirer là-dessus. Ils essayent de shooter notre pèlerin du Graal machin truc là. Notre reliquaire du Graal. Ça fait une grosse bataille, hein. Une grosse bataille pour un gros épisode. Je réfléchis un petit peu. On a rien qui glande a priori. Si on arrive à gagner là, on va libérer pas mal de troupes. Ce qui va nous poser problème, c'est vraiment les seigneurs, hein. Comme d'hab. En plus, nos archers sont bien, mais c'est pas non plus la teuf, quoi. Eux, je sais pas sur quoi ils tirent, mais on les laisse faire. Là, on s'est un petit peu reformé en avant. Ici aussi, en avant. Ça serait bien de réussir à terminer ça. On va laisser tomber là. Si les guerriers, les mecs du Graal veulent craquer, la relique du Graal veut craquer, y a pas de problème. Alors là, on va faire courir encore un peu l'assassin, on va faire une attaque de dos ici. Il y a moyen de les faire céder, je pense, sur une charge comme ça, même si elle va pas être hyper optimale parce qu'ils doivent commencer à fatiguer. Ok, ici ça a cédé. Donc on est capable d'envoyer un peu plus de monde. Eux, ils arrivent hein, petit à petit, ils vont essayer de choper ça. Il y a du frondeur qui traîne là, non mais sérieusement. Là, il a réussi à tout dépouiller, putain c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et on l'a mis 1000 life avec nos archers. Allez là, la charge. Nos guerriers se rassemblent, c'est la cavalerie. Yes, c'est la cavalerie. On va essayer de les envoyer faire un petit peu le taf là. Parce que clairement, hein, voilà, il va choper les archers et puis ils vont pas tenir longtemps. Alors ici, on peut se permettre de lancer un petit sort de nouveau, je pense, dans le coin. Quoique, non, on va le lancer là. Alors, annule. Annule, voilà. On va le lancer là, parce qu'il y a encore pas mal de monde. Ici ça donne quoi là, nos mecs là? Ils font quoi? Ils ont chopé ça, c'est en déroute. Demi-tour, il y a du lance-feu à gérer.
Ici c'est pareil, demi-tour, il y a de la mitrailleuse Rattling à gérer. La cavalerie là, elle va pouvoir reculer dans la forêt, ça c'est quoi? Des hommes d'armes avec bouclier. Essayez donc de prendre ça de dos, ici. On va aller charger par là, à travers la forêt. Putain, l'assassin il essaye de choper Pisse-Pousse, le Veule. Alors on peut peut-être améliorer mieux que des paysans là, non? Voilà, les écuyers à pied. Go. Anon, that is her will. Faut que tu tires. For my it is done. Oh putain, mais c'est vraiment l'enfer les héros. Hein. Allez, chope-les. Ici c'est en déroute, on va essayer de se recentrer là-dessus. Peut-être même plus tôt. Ah non, il y a ce qu'il faut déjà là. Voilà, là, là-dessus. On va essayer de nouveau d'immobiliser lui. Là ça donne quoi? Petit à petit, on arrive à le diminuer, on va dire. Ça se reforme un peu. Il y a encore tout ça qui tient. J'ai envie de dire que si on arrivait à faire tomber les seigneurs, ça aiderait, mais ça m'a pas l'air d'être vraiment de l'ordre du faisable, malheureusement. Viens par là, toi, soutenir un petit peu. Allez, lui il commence à crever là, Sklork, Scrock, je sais pas comment ça se dit. Qui c'est qui glande? Eux, la compagnie de Nardinus. Il y a des coureurs d'égout à terminer ici. Faut quand même pas laisser des paysans travailler à votre place. Ce serait un petit peu abusé. On verra ce qu'ils ont fait comme taf, les. S'il faut pousser. J'ai l'impression qu'ils tirent sur lui les trébuchets vu comment ils se baladent, mais c'est pas plus mal. Hein. Ça fait le taf. Alors ici, on est englué avec ça. Ok, très bien, pourquoi pas. Ils sont tous les deux là, eux. Ça m'embête. Les knights errantes, là. Je préférais qu'ils aillent là-dessus. Et là, on est englué dans des Slaven. Il y a deux unités dans eux, ils sont relativement libres. On est sur des lance-flammes, ok. Allez-y, faites le taf. Ah là du coup on a plus de munitions donc au corps à corps, pas de problème, allons-y. Pourquoi pas? Ça me va. Totalement à l'arrache. On va mettre un petit boost ici pour essayer de faire mal à ce connard de Garrot là. Unité a utilisé toutes ses munitions, c'est eux. Voilà, on a moyen de les finir là. On a moyen de le finir celui-là. Allez, c'est pareil vous. Anta, il est temps d'y aller. Là on a une foule de paysans qui sert à rien. Ici il faut essayer de faire tomber ça. Là, c'est en train de céder face aux vermines de choc, sérieusement. On a toujours un chevalier errant, mais c'est ceux qui sont là-bas. Ouais, c'est ceux qui sont là-bas. Go. Go go go. Toi, t'es où? T'es dans la bataille. Non, les pèlerins de bataille demi-tour, occupez-vous de ça. Corps d'égout vont tellement vite. On les a dépouillés, mais on a toujours un tel ratio quoi. Enfin, on les a dépouillés. On a quand même perdu beaucoup de monde, et eux pas tant. Ils ont chargé nos archers, oui, non, c'est moi qui ai fait charger les archers. Si on pouvait faire tomber celui-là, là, ça aiderait tellement. Alors vous, vous faites quoi? Vous allez essayer de gérer ça. La cavalerie ici. Il va peut-être être temps de l'envoyer faire son taf de cavalerie un peu. Surtout maintenant qu'il y a de l'archer au contact, même si bon, c'est clairement pas optimal. Hein. Alors toi, t'es où? T'es là. Et nous balance des malus dessus.
Badine du trompeur, risque d'échec plus 100%. Ok, donc c'est pas le moment de lancer un sort. Ici, on va y aller. Faut aller foutre un peu le dawa. L'assassin, il est où? Il est là. Quel enfer. Ça c'est quoi? Des scavons esclaves frondeurs, la mitrailleuse rattling. Vous, vous êtes en train de taper sur ça, ça en déroute, ça sert à rien. Il va falloir aller s'occuper de ça maintenant. Ici la cavalerie, elle est au contact avec ce truc là. On va le garder. On va envoyer des gens efficaces s'occuper de la mitrailleuse rattling. Ah, on se fait tirer dans le dos. L'unité a été anéantie. Oh non, il a réussi à mettre tout le monde en déroute ici, sérieux quoi. Putain. On n'arrivera jamais à le shooter avec ça. On pourrait essayer de tirer là-dessus avec nos trébuchets, ça serait pas si mal après tout. Ça pourrait peut-être soulager un peu la pression. Ici, demi-tour, choper les dos. Oh là là, mais ici il a réussi à faire partir tout le monde en déroute quoi. C'est infernal. On va essayer de lancer un sort sur sa tronche quand même. Allez vous, demi-tour, en avant, pareil vous, c'est parti. Là faut y aller. Ici on a de la cavalerie qui se balade. C'est les scaven qui sont en déroute? Non, c'est les frondeurs. Les coureurs d'égout, ils sont pas encore en déroute. Ici, il y a grosse baston. Il a décidé de charger sur les paysans qui ont de la munition, ce qui est pas déconnant malheureusement. Là, je sais pas ce qu'ils foutent, eux, mais ils le font. Ici, on a une cavalerie en déroute. Ok, pourquoi pas. Ici, on est en galère. On est en galère, mais on fait le taf quand même. Ça serait bien limite de sortir de ce bordel et charger ça. Si vous y arrivez. Ici on est au contact, ici il y a du guerrier des clans qui traîne. What orders? Il y a des gens qui se rassemblent, très bien, c'est qui? C'est la cave. On est même censé perdre contre des scaven esclaves frondeurs quoi. Cette violence. Allez ici, lancer des flèches dans le tas, on s'en fout, il faut me le finir ce con. J'adore, c'est eux qui prennent des coups quoi. Qui c'est qui craque? C'est la cavalerie, merde. Bon, au moins on découpe les ratlings, hein, ça c'est pas trop un problème. Là ça clignote en bleu, donc c'est un prêtre de la peste qui commence à crever, mais c'est pas qui s'enfuit. We are ready! Oh là là, c'est chaud. Alors ici ils sont en déroute, c'est parfait. On va envoyer eux leur courir après, mais il faut qu'on récupère absolument ces unités là. Vous essayez d'aller gérer ça, vous chopez-moi ça, vous avec Voilbard, chopez-moi ça. Bon, et je crois qu'on va arrêter l'épisode là. On finira cette bataille lors du prochain, puisque y a encore du taf à faire, c'est pas gagné, c'est pas perdu. Donc on va s'arrêter là et on terminera lors du prochain épisode, c'est suffisamment long. J'espère que ça vous a plu, un petit cliffhanger de fin, ça arrive pas tous les jours. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao tout le monde.